Ouais, c'est une belle soirée, hein, parce qu'il y a le résultat, il y a la manière aussi, donc on est tous contents, on espère pouvoir continuer comme ça. Ça nous tenait à cœur de bien démarrer les qualifications, de donner voilà, une bonne image de nous et voilà, ça s'est bien ressenti sur le terrain. Mais c'est pas le plus important, voilà, le résultat il est là, c'est l'équipe qui gagne au final, donc ouais, je suis content d'avoir marqué quand même. Ça va être un match difficile parce que des équipes comme ça, c'est des équipes dures à jouer, sont très agressives. Et voilà, on va faire ce qu'il faut à l'entraînement pour bien se préparer et essayer de faire comme aujourd'hui. C'est une belle soirée de football, forcément. Quand on gagne de façon aussi nette, c'est toujours agréable. Il faut les apprécier. Après, voilà, il y a aussi des choses à corriger, des choses qu'on devra faire mieux quand l'adversité va s'élever. Dans l'état d'esprit, on a été très impliqués par rapport à ce match-là. On savait qu'il fallait bien réussir notre entrée dans ce groupe. Ce sont des matchs qui apparaissent faciles après, mais parce qu'on se l'est rendu facile aussi, parce qu'on a fait ce qu'il fallait au départ pour ouvrir le score. Et après, quand ils ont commencé à se livrer un peu plus et à nous ouvrir des espaces dans le dos, c'est vrai qu'on leur a fait très mal. Oui, ce ne sera pas le même match, hein, mais c'est la meilleure façon de rentrer dans ce groupe. Et puis on sait qu'on aura un match très difficile, parce que l'équipe de Slovaquie, c'est une belle équipe, solide. Mais on aura la volonté de s'imposer pour faire un carton plein sur les 10 jours de rassemblement.